Accordez, accordez, accordez donc l'aumône à l'accorder l'accordéon. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV du pays de Châteaubriand. On vous emmène aujourd'hui à Lusanger. Lusanger, où la chanson écrite par Serge Gainsbourg est très régulièrement reprise en chœur. Par qui? Eh bien, par les habitués de la maison de la ruralité. Marinette Turvois nous présente les différentes activités proposées. À la maison de la ruralité, il y a donc un groupe de vanniers qui est le plus important, où là on tresse l'osier, la paille pour faire des jeûnes, et aussi cette année pour la première fois le rotin. Deuxième activité qui est importante, donc l'atelier tricot, et auquel on commence cette année, il y en a plusieurs qui vont le perfectionner, un atelier de tressage de tapis, c'est-à-dire qu'on utilise des vieux tissu qu'on déchire en bandes et selon certaines techniques on les tresse ou on les passe au crochet. Vannerie, rempaillage et canage de chaises, menuiserie, rénovation de four à pain et puis le tricot, le fameux tricot, décidément on ne chôme pas à la maison de la ruralité à Lusanger. C'est un véritable lieu de transmission des savoir-faire ruraux. Des activités ponctuelles sont également proposées, veillées, sorties, expositions, encore fabrication de pain d'épices et de confitures. La maison de la ruralité a aussi créé un atelier de collecte de la mémoire vivante pour conserver les techniques et des anciens sur les vieux métiers. L'association souffle sa première bougie déjà, et oui, et forcément ce sera dans une ambiance festive et musicale. Ça rappelle un peu les veillées dans le temps, hein, où il y avait les gens, les femmes qui tricotaient, les hommes qui tapaient la belote. D'ailleurs, ils auraient pu ce soir. Hein, et puis, des chansons, l'accordéon. À nos ateliers vannerie, il y a toujours un accordéon, hein, tout, à chaque semaine. Hein. On a proposé à Jacques, le cafetier, d'ouvrir un café tricot pour encore faire découvrir l'atelier et puis la convivialité des ateliers. Et dans cet esprit justement d'échange, de convivialité, de se rencontrer entre les générations et en même temps animer cet atelier tricot pour montrer que c'est à la fois un savoir, mais c'est à la fois des rencontres, du lien social entre les habitants, entre tous les âges. On ouvre exprès et comment? Pour eux, parce que c'est café tricot. Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens les ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui c'est qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand ils sont libres, c'est toi, c'est moi, Manon, c'est l'accordéon. Accordéon. Café tricot, accordéon et convivialité, c'est donc à la maison de la ruralité, à la chaussée, à Lusanger. Il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordéon. L'aumône à l'accordéon.